J'ai choisi cette photo parce que, bien qu'ayant plus de 100 ans, cette photo me paraît basique dans le principe de l'humanitaire. C'est un homme qui porte un autre homme sur ses épaules. Il y en a un qui est encore valide, l'autre est estropié, a besoin d'un grand bâton pour pouvoir ne serait-ce que tenir debout. L'un d'eux est un infirmier japonais et l'autre est un soldat russe blessé. Donc c'est des gens qui étaient au demeurant en conflit l'un avec l'autre, alors que ces deux gars pourraient être frangins en d'autres circonstances. Bon, ils posent. C'est juste un instant. Il y en a un autre qui s'en fout derrière, mais enfin, il a peut-être mieux à faire vu qu'il a une croix sur le bras. Quand il y a eu bagarre, il faut après s'occuper des dégâts. Il faut gérer les dégâts. Et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit sans dégâts. Et les dégâts sont 10 fois, proportionnellement 10 fois plus lourds que les avantages tirés par, ne serait-ce que par un seul des partis du conflit de base. Et ça, pour moi, en toutes circonstances et dans tout lieu géographique. Donc cette photo-là, on pourrait la retrouver 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. D'ailleurs, c'est un peu ce que développe le reste de l'ouvrage. Il y en aurait toujours un qui devrait, à la sortie, porter l'autre parce qu'il est blessé pour des raisons qui, à mon avis, ne seront jamais suffisantes ou valables. Mais ça, c'est une opinion personnelle, j'espère que vous la partagez. Enfin, en tout cas, j'imagine que tous ceux qui se mettent une croix autour du bras pour essayer justement de balayer derrière, tant bien que mal, pensent comme moi.